Alerte rouge au mot de la folie de cette génération. Chers frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien du groupe Jésus revient. Alléluia. Avant de commencer, prions. Seigneur Jésus, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Papa, nous te confions, Seigneur, cette émission, nous te confions ce message. Seigneur, nous te prions, Papa, d'accompagner ce message par ton Esprit Saint. Tous ceux qui vont écouter ce message soient impactés par la crainte de ton nom, soient impactés par ton Esprit Saint, Papa. Seigneur, touche les cœurs et amène les cœurs à la repentance à travers ce message. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous souhaitons les bienvenus dans ce nouveau numéro de notre émission consacrée à la lettre rouge. À la lettre rouge contre toutes les abominations de ce siècle. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Chers frères et sœurs, ce passage nous invite clairement à fuir les convoitises Chanel de ce monde. Sachant que le diable contrôle ce monde, surtout la jeunesse, par la mode, la musique, les jeux, l'Internet et bien le sexe. Et prenons juste un élément, la mode. Si nous prenons par exemple le pantalon jean, le pantalon appelé jean destroyer. Chers frères et sœurs, je vous le dis en vérité, que j'ai le regret de constater aujourd'hui que Satan joue à se moquer des êtres humains que nous sommes. Et il utilise tous les moyens pour le faire. Oh, à travers la mode, le diable tourne en ridicule les hommes, surtout la jeunesse. Et il ne sait plus quoi inventer pour rendre clochard, pour rendre dingue, pour rendre fou les hommes devant Dieu. Aujourd'hui, même la manière de s'habiller des fous est convertie aujourd'hui en mode. Voyez une mode appelée destroyer. Destroyer où les jeunes s'habillent avec un jean et on déchire le jean au niveau des cuisses ou même partout pour montrer quoi? Pour montrer que on préfère la folie que la sagesse. Quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui a des tenues déchirées, qui a des tenues sales, hier quand on voyait ça, directement, on sait que ça, c'est un fou. Quelqu'un qui est mentalement malade. Mais aujourd'hui, comme Satan se plaît à faire des hommes ce qu'il veut, aujourd'hui, il a converti la folie en mode et qui est devenue aujourd'hui une tendance dans la jeunesse. Peuple de Dieu, qu'est-ce que l'ennemi a derrière la tête en inventant cette mode? Hein? Ou qu'est-ce que vous voulez exprimer en portant quelque chose qui est déchiré? Quel est le message qui est derrière ça? Peuple de Dieu, le monde ne réfléchit plus. Le monde ne prend plus une seconde pour réfléchir avant de se lancer dans tout ce que l'ennemi envoie sur la terre. Comment est-ce que vous pouvez prendre votre propre main
et déchirez votre pantalon et vous allez porter ça et sortir. Quelle est l'idée derrière cette mode? C'est juste pour présenter cette jeunesse comme aimant la folie que la sagesse. C'est pourquoi le diable a inspiré cette mode. Et quand vous prenez le mot destroyer, ça signifie détruire. Et qu'est-ce qui est détruit? C'est l'âme de celui qui accepte de tels modes. C'est l'âme de celui qui porte de tels habits. Justement, derrière cette mode se cachent aussi les esprits de mort, les zombies, les esprits de la destruction. La jeunesse aujourd'hui, justement, est zombifiée par Satan. Je vous dis, j'ai suivi dans un témoignage sur l'au-delà comment un jeune chrétien très zélé dans l'évangile, mais très ignorant sur les pièges du diable. Et comment ce jeune a raté le ciel juste à cause des jeans destroyers qu'il aimait porter de son vivant. Et le démon derrière ces jeans destroyers s'était présenté devant lui pour lui signifier qu'il était avec lui. Chaque fois qu'il mettait ses habits déchirés, qu'il mettait ses habits de folie, eh bien, l'esprit lui signifiait que c'est lui qui était derrière ça. Peuple de Dieu, Jésus-Christ lui-même disait, le prince de ce monde vient, mais quand il me fouille, il va me fouiller, il ne trouvera rien de lui en moi. Vous pouvez lire dans Jean 14, verset 30. Aujourd'hui, vous allez trouver la majorité des jeunes porter des chemises sur lesquelles sont dessinées des têtes de mort, des squelettes, des images de démons. Et on amène même ses habits, on porte même ses habits pour venir dans la maison de Dieu, pour aller à l'église. Et les ignorants vont penser que c'est juste de l'art ou juste de design. Rien n'est gratuit, rien n'est hasard dans ce monde, peuple de Dieu. Beaucoup de chrétiens portent aussi ces choses et même des parents vont payer ces choses pour les porter à leurs enfants, pour que leurs enfants soient à la mode, pour que leurs enfants soient stylés. Peuple de Dieu, vous allez voir des parents qui vont porter des jeans déchirés à leurs enfants, qui vont porter des habits sur lesquels il y a des vampires, il y a des démons, il y a des animaux bizarres sur ces habits-là et on porte à des petits-enfants. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de conduire la mentalité dès la jeunesse, on est en train de conduire la mentalité de cet enfant vers le style du monde, vers la tendance des démons. Peuple de Dieu, la tendance, ça vient de quoi? Les tendances qui envahissent aujourd'hui la terre, ça vient de quoi? Ça vient directement du monde des démons. Ça vient directement du monde sous-marin. Chaque mode qui vient aujourd'hui sur la terre, c'est inspiré depuis le monde astral et envoyé sur la terre pour que les hommes puissent l'embrasser, pour que les hommes puissent porter ces choses pour être non à l'image d'un enfant de Dieu, mais être à l'image des démons, pour être à l'image des gens qui ont préféré la folie que la sagesse. Peuple de Dieu, je vous le dis en vérité, craignez Dieu dans tout ce que vous faites. Craignez Dieu dans tout ce que vous faites. Toi, parent, qui fais porter à tes enfants ces gens d'habits, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que ton enfant soit un rappeur? Tu veux que ton enfant soit à l'image des célébrités? Et tu aimes leur faire porter les choses des gens qui ont vendu leur âme à Satan et qui se moquent même de Dieu dans leur mode, dans leur style vestimentaire. Vous allez voir des habits sur lesquels vous allez voir des choses comme ça. Ah! Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, qui a le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va l'amener à aller payer
un habit sur lequel quelqu'un donne l'apparence de se moquer de tout. Je vais payer. Comment je peux payer de tels habits et le faire porter à mon enfant? C'est pour vous dire que vous devez réellement avoir le discernement. Tout ce que vous voulez porter à vos enfants, même le plus petit enfant, je vous dis, il faut prendre une minute pour sonder, pour vérifier qu'est-ce qui est destiné sur ça. Qu'est-ce qui est destiné sur ça? Mais malheureusement, certains parents vont te dire que non, Dieu ne regarde pas ces détails, Dieu ne regarde pas ces choses. Mais quand la nuit tombe et leurs enfants vont commencer par voir des gorilles ou des esprits de mort, des images bizarres dans leur sommeil, ils vont commencer par dire que c'est la vieille au village qui les menace par la sorcellerie. Peuple de Dieu, parfois c'est vous-même qui attirez les esprits mauvais sur vos enfants. Et vos enfants, beaucoup d'enfants n'arrivent plus à dormir parce que les choses même que vous faites porter à vos enfants sont incarnées par des esprits mauvais, par des esprits bizarres. Mais comme vous, vous voulez que votre enfant soit stylé, soit dans la tendance, soit à la mode de cette génération, soit à la mode de cette génération perverse, eh bien, vous ne regardez pas les détails de ce que vous portez à vos enfants. Vous mettez des pantalons déchirés à vos enfants. Vous mettez des habits sur lesquels on a dessiné des têtes de mort, des squelettes, des vampires. Et vous faites porter ces choses à vos enfants. Mais la nuit, lorsque vos enfants commencent par faire la fièvre, que lorsque vos enfants commencent par manifester des choses bizarres, lorsque vos enfants ne peuvent plus dormir, vous allez commencer par chercher ailleurs. Vous allez commencer par accuser la vieille au village au lieu de chercher dans votre propre entourage. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Je vous le dis en vérité, tous ceux qui portent des habits appelés destroyers, des jeans, machin, je vous le dis en vérité, vous devez vous repentir. Vous devez abandonner ces choses-là. Surtout toi, chrétien qui m'écoute en ce moment, toi, jeune chrétien qui m'écoute en ce moment, le Seigneur t'appelle à quitter la tendance de ce monde et à chercher la voie de la crainte de Dieu. Je vous le dis, les Étiennes ne pouvaient pas porter des jeans déchirés. Des Shadrach, Meshach ne pouvaient pas porter des jeans déchirés, même si ça existait en leur génération. Ils ne le porteront point. Des Timothée, des Apollos ne pourront pas porter des jeans déchirés, même si ça existait en leur génération. Alors toi, chrétien, toi, jeune chrétien, qui porte ces choses, tu veux ressembler à qui dans la parole de Dieu? Tu veux ressembler à qui dans la Bible? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Et aujourd'hui, la jeunesse chrétienne ne cherche plus les modèles. Les hommes qui sont des modèles dans la Bible, ils ne cherchent plus, mais ils cherchent le modèle de ce siècle. Ils veulent ressembler aux hip-hopers de ce siècle. Ils veulent ressembler aux rappeurs. Et vous allez voir des gens porter des jeans, des gros jeans comme ça, et venir dans la maison de Dieu, dans les églises. Et il n'y a personne pour les retourner. Il n'y a personne pour leur dire non, ça là, tu ne peux pas porter et venir adorer le Saint d'Israël. Il n'y a personne pour leur dire cela. Parce que l'église est corrompue par le monde. Le monde est rentré dans l'église. Le monde a pris l'église de Christ en otage. Et le Seigneur veut que nous sonnons la trompette. La trompette de la repentance, que nous crions à l'alerte rouge contre ces choses pour qu'il y ait la repentance. Toi, serviteur de Dieu, commence par contrôler comment les gens sont habillés pour venir dans la maison de Dieu, pour venir adorer le roi des rois. La crainte de Dieu doit se lire aussi dans les modes vestimentaires, dans la manière de s'habiller des hommes et des femmes. L'église de Christ n'est pas une salle de concert, peuple de Dieu.
L'église de Jésus-Christ n'est pas un lieu de dancing. L'église de Jésus-Christ n'est pas un lieu où chacun vient faire ce qu'il veut, où chacun s'habille pour venir comme il veut. Mais l'église de Christ, c'est là où règne l'Esprit de Dieu, là où il y a le trône de Dieu. Craignez Dieu. Et si vous craignez Dieu, vous devez le manifester dans tout ce que vous faites. Je vous le dis en vérité. Sinon, au carrefour de l'au-delà, au portail du ciel, chacun répondra de ses actes. Je vous le dis, beaucoup seront surpris de voir les démons qu'ils ont portés, les démons qui sont cachés derrière ses habits, qu'ils ont portés sur la terre. Beaucoup vont voir ces démons au carrefour de l'au-delà et ils seront surpris. Peuple de Dieu, il y a aussi une autre mode, une autre tendance qui consiste à porter les pantalons et les mettre aux fesses. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de jeunes s'habiller, même vous allez les voir avec ceinture, mais on préfère mettre le pantalon aux fesses. On ne veut pas l'amener ça en haut, mais on fait descendre ça pour montrer le sous-vêtement, le caleçon qu'on a porté en bas. On met même le caleçon à moitié découvert. Voilà, peuple de Dieu. Une mode vraiment incompréhensible. Des gens qui vont porter des pantalons et qui ont même ceinture dessus, mais ils détachent la ceinture et laissent descendre le pantalon jusqu'aux fesses. Quel est le projet derrière ça? Quelle est l'idée derrière ça, peuple de Dieu? En vérité, c'est une mode qui est venue des gays. Des gays américains. Et lorsque ces gays américains, quand ils se voient dans des coins où il n'y a pas trop de personnes autour, dans ces coins, rapidement, ils enlèvent, ils font descendre leurs pantalons pour commencer par se coucher. Commencez par se sodomiser. Ils n'ont plus besoin de perdre leur temps pour détacher leur ceinture. Donc voilà d'où est née cette mode de pantalon aux fesses. Ça a commencé depuis les prisons américaines où, quand ils se voient dans un coin, les prisonniers, surtout les prisonniers qui ont l'esprit de hip-hop, l'esprit de rap, rapidement, ils se voient dans un coin pour se sodomiser. Et c'est comme ça tout le monde a commencé à embrasser cette mode abominable. Je vous le dis en vérité, le monde est vraiment corrompu. C'est pour ça que vous allez voir plutôt les rappeurs, les artistes de coupé décalé et leurs fans qui sont les plus concernés par cette mode, vous allez le voir pour la plupart avec des pantalons aux fesses. Et voilà comment petit à petit, ça s'est répandu dans les clips de rap et dans d'autres. Aujourd'hui, dans la plupart des clips, vous allez voir ces modes abominables que le Seigneur ne peut pas apprécier. Mais comme le monde est actuellement bien assis dans l'église, il n'est pas aussi rare de voir ces abominations au sein de l'église. Mais le pasteur ne va rien dire. Parce que quand il va parler, peut-être les gens vont fuir. Et quand les gens vont fuir, lui, ses recettes vont baisser. Et lui ne veut pas que ses recettes vont baisser. Donc tu peux venir nu comme tu veux. C'est ses serviteurs qui vont te dire que Dieu ne regarde pas le corps, mais que Dieu regarde le cœur. Donc tu peux venir nu,
Tu peux venir en jean destroyer. Tu peux venir avec pantalon aux fesses. Il ne va rien te dire. Parce que lui, il sait que dans sa tête-là, il n'a pas ouvert l'église pour Christ, pour gagner les âmes pour Christ. Mais il a ouvert l'église parce qu'il a entendu le mot dîme et offrande dans la Bible. Mais chacun d'eux va répondre de leurs actes au portail du ciel. Ce que chacun aura semé, il va le moissonner. Celui qui fait de l'église de Christ un centre commercial pour faire juste entrer des clients, pour gagner l'argent. Mais ils s'en foutent de leur vie spirituelle. Ils s'en foutent de la destination de leur âme. Ils répondront, ces serviteurs, qui ne veulent pas crier de toute leur force pour chasser le monde de l'église de Christ. Chacun répondra. Je vous le dis en vérité, Vous verrez, même dans des églises, vous verrez des pasteurs swagman, des pasteurs qui vont porter des longues chaînes. Et tu vas te demander, est-ce que c'est un hip-hopper? Oh, c'est le pasteur. Vous allez voir des pasteurs portant des gros bijoux, portant des pantalons jeans, même des jeans déchirés. Et même des t-shirts de hip-hop. Peuple de Dieu, quand vous voyez des hommes du genre sur la chair de Jésus-Christ, sachez que l'apostasie est là. Sachez que la crainte de Dieu a quitté l'église. Sachez que on ne considère plus l'œuvre de Dieu comme un sacerdoce sacré. Mais on fait de l'œuvre de Dieu comme un business. Nous appelons réellement à la repentance. Chers frères et sœurs, vous les parents, sachez que vous avez une grande responsabilité. Vous avez le devoir de redresser par tous les moyens vos enfants. Vous devez corriger vos enfants. Si vous constatez qu'ils ne commencent pas à s'habiller en hip-hopper, si vous ne commencez pas à voir que votre enfant, votre fils, commence pas à s'habiller de façon bizarre pour ressembler au star mondain, avec des coiffures bizarres, avec des tenues bizarres, avec des chaînes, avec des... Quand vous ne commencez pas à remarquer tout cela, je vous le dis en vérité, si vous ne réagissez pas, vous êtes sur le point de perdre une âme pour le Seigneur. Parce que si votre enfant, vous laissez votre enfant être gagné par le monde, vous allez répondre. Vous allez répondre devant le Seigneur. Alors, faites tout. Quand vous voyez même le moindre signe de la part sur vos enfants, commencez déjà par agir. Commencez par réagir avec force. Oui, pour éviter que le monde gagne vos enfants. Je vous le dis en vérité, Si vous voyez votre enfant vouloir commencer par imiter les hip-hopers, commencer par s'habiller avec des t-shirts, avec des dessins bizarres, je vous dis, réagissez vite. Si vous commencez par voir votre fils commencer par porter de longues chaînes, même petites chaînes, ou même commencez par mettre boucle d'oreille, sachez qu'il y a danger qui est rentré dans votre maison. Je vous le dis en vérité, Vous devez être rigoureux et ferme pour éviter que Satan ne capture votre enfant et l'enrôler dans le monde. Mais sauf si toi, tu es fier de voir demain ton enfant grand hip-hopper. Tu es fier de voir ton enfant artiste coupé, décalé. Tu es fier de voir demain ton enfant comme un grand rappeur. Si c'est ça que toi tu veux, tu es libre. Mais je te dis, au portail du ciel, tu répondras. Moi, je ne veux pas qu'aucun de mes enfants ne ressemble à un star du monde, à une célébrité de ce siècle maudite. Mais je veux que mes enfants ressemblent au star de la Bible. Moi, je veux que mes enfants ressemblent à Daniel. Moi, je veux que mes enfants ressemblent à David. Moi, je veux que mes enfants ressemblent au Étienne de la Bible. Mais je veux que mes enfants ressemblent au jeune Timothée, au jeune Apollos, au jeune Silas, au jeune
à d'autres jeunes qui ont servi le Seigneur avec dévouement, avec zèle dans la Bible. Moi, je veux que mes enfants ressemblent à cela. Si toi, tu veux que ton enfant ressemble à Beyoncé, tu veux que ton enfant ressemble au Rihanna, tu veux que ton enfant ressemble au Nicki Minaj, tu répondras. Dieu t'a donné les enfants, il te les a confiés comme un talent. Et tu vas répondre de ce que tu as fait, de ce talent que Dieu t'a confié. Je vous le dis en vérité, en vérité. Je vous le dis. Ne permettez pas que vos enfants soient éduqués par la tendance de ce siècle. Ne permettez pas que vos enfants soient éduqués par le monde. Mais éduquez vos enfants par la parole de Dieu. Éduquez vos enfants par les saintes écritures. Parce que je vous dis, ce monde va à la ruine. Ce monde court à sa perte. Et il n'y a rien qui ne l'arrête. Parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas entendre parler de Dieu. Tout ce qui porte le nom de Dieu aujourd'hui est boycotté. Mais tout ce qui porte le nom des abominations est acclamé aujourd'hui. Je vous dis, quand vous voyez quelqu'un nu, ça devient la mode. Vous allez voir comment ça sera partagé sur les réseaux sociaux. Mais quand vous mettez un verset biblique, combien vont lire? Combien vont partager? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le monde préfère l'enfer que le paradis. Mais toi, qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Qu'est-ce que tu choisis pour ta maison? Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne trouverez pas, vous ne trouvez pas d'adorer, de craindre le Seigneur d'Israël comme il le faut, moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais toi qui m'écoutes en ce moment, le Seigneur veut que je réveille ta conscience, que je réveille ta conscience pour que tu prennes l'éducation de tes enfants au sérieux, que tu ne permettes pas que tes enfants soient capturés par le monde, par les systèmes mis en place par Satan pour détruire cette humanité. Ne permets pas que tes enfants tombent dans ces pièges-là. Alors, je vous le dis en vérité, en vérité. Si vous pensez que c'est en s'habillant de ces manières, que c'est en vous habillant de ces manières ou bien en habillant vos enfants avec ces styles mondains, que votre enfant serait branché pour vous, vous êtes vraiment malheureux. Je vous le dis en vérité, en vérité. Les parents qui veulent voir leurs filles s'habiller comme les stars, les Beyoncé, les Rihanna et autres, je vous le dis, répentez-vous. 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 Et je parle à tous les jeunes qui vont écouter ce message. La Bible déclare, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au siècle présent. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous en prie, ne vous conformez pas au siècle présent. Jésus-Christ vous tend la main. Jésus vous appelle à la repentance. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14 à 15, la parole déclare, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Toi, jeune chrétien, qui m'écoute en ce moment, ce message est adressé à toi. Comme il est écrit dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Ne permets pas que Satan capture ta jeunesse
pour en faire ce qu'il veut. Mais sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle. Dans l'église de Christ, toi jeune qui m'écoute en ce moment, sois un modèle. Cherche à être un modèle comme les modèles que nous connaissons dans les Saintes Écritures. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité et en foi et en pureté. Voilà le modèle, le mot que tu dois saisir et chercher à vivre selon ses caractères. Tu dois chercher à être modèle en parole. Aujourd'hui, quand vous voyez des jeunes parler, ils parlent arrogamment. Ils n'ont plus aucun respect pour les aînés. Ils n'ont plus aucun respect pour les personnes âgées. Je vous dis, ça fait mal. Mais toi, jeune chrétien qui m'écoute en ce moment, le Seigneur Jésus-Christ te parle. Il faut que tu revoies ta conduite, même en parole, ta manière de parler, ta manière de t'adresser, même à tes parents. Le Seigneur voit tout. Le Seigneur voit tout. Recherchez la crainte de Dieu, même dans vos manières de parler. Ne parlez pas comme les gens du monde. Le langage de cette génération, c'est une abomination aux oreilles de l'Éternel. Quand vous voyez des jeunes parler, il y a le langage mondain. Ils ont un style de parler. Et quand vous entendez, chez nous, on parle de langue des diables. Peuple de Dieu, un chrétien ne parle pas en langage de diable. Un chrétien n'utilise pas le langage des mondains pour parler. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir des jeunes utiliser un style, je ne sais pas si c'est ça, ils appellent le nouti. Et quand vous entendez, vous ne comprenez rien. Mais c'est le français qui parle. Si vous n'êtes pas initié dans leur monde, dans leur style de monde, vous ne comprendrez rien de ce qu'ils disent. Peuple de Dieu, le monde préfère la folie à la sagesse. Mais toi, jeune chrétien, le Seigneur veut que tu choisisses la sagesse plutôt que la folie. Plutôt que la folie, je vous dis, il y a un carrefour qui attend tout le monde. Le Seigneur veut que tu prennes conscience en sachant qu'il y a quelque part qui t'attend. Et arrivé là-bas, il n'y a plus de repentance. La repentance, c'est de ton vivant. Alléluia. Donc la parole demande que tu sois un modèle en parole, en conduite. Revois ta conduite dès maintenant. Revois ton comportement. Revois ton attitude. Et cherche à être un modèle dans l'église de Christ. Et même dehors. Ce n'est pas seulement à l'église que tu vas faire chrétien. Même dehors, tu dois montrer que tu as Jésus-Christ en toi. Que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois le montrer dans ta conduite. Je te dis en vérité, en vérité. Quand on te voit, ta manière de parler, ta manière d'agir, même le païen doit témoigner que celui-là, il a réellement l'Esprit de Dieu en lui. Il a réellement la sagesse en lui. Ne sois pas un voyou. Mon frère, ma soeur,
Ne sois pas un voyou. Ne parle pas comme un voyou. Ne te comporte pas comme un voyou. Mais comporte-toi comme quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Comporte-toi comme quelqu'un qui a réellement Jésus-Christ dans sa vie. Et marche selon comme un vrai disciple de Jésus. Et non comme les voyous de ce siècle. Comme les délinquants de ce siècle. Moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. Parce que c'est ce que j'étais hier. Mais Jésus-Christ m'a racheté. Jésus-Christ m'a délivré de la voie du hip-hop. Jésus-Christ m'a délivré de la mondanité. Jésus-Christ m'a délivré de la délinquance. Jésus m'a racheté. Et c'est ce qu'il m'a enseigné pour me redresser. C'est ça que je vous enseigne. Je vous le dis en vérité, en vérité. Il faut que tu cherches aussi à être fidèle, à être un modèle en charité, en amour. Le don de soi. Tu dois chercher à être un modèle. Tu dois chercher aussi à être modèle en foi, comme les Étienne. Oui, Étienne a la foi pour le Seigneur Jésus. Et il s'est donné avec dévouement. Et même devant les jeux de Pierre, Étienne continuait à proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Toi aussi, la parole t'invite à être un modèle. À être un modèle en foi. Et à être aussi un modèle en pureté. À être un modèle en sainteté. Aujourd'hui, la sainteté a déserté l'église de Christ. Mais la parole t'invite, toi, jeune qui m'écoute en ce moment, à chercher à être modèle en sainteté, en pureté, en marchant dans la sanctification. Tout ce que tu dois faire, il faut chercher toujours la volonté de Dieu, la crainte de Dieu, la sainteté de Dieu. Parce que le Seigneur qui nous a appelés, il est saint. Il exige de nous d'être saints, de marcher comme des enfants saints. Alors, toi, jeune chrétien, qui m'écoute en ce moment. Selon 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de cette jeunesse. Fuis les passions mondaines. Fuis les passions de cette génération. Que ce soit la mode, les modes vestimentaires païens, que ce soit les musiques mondaines, que ce soit les films et autres, il faut fuir ces passions mondaines et mondaines. Il faut fuir la prolifération de la sexualité aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous entendez les jeunes parler du sexe, même à côté des personnes âgées, même à côté de leurs parents, ça ne leur dit plus rien. Et comme les parents aussi sont à la mode maudite de cette génération, les parents aussi n'ont plus peur de parler du sexe à côté de leurs enfants. Tout est mélangé. Tout est mélangé dans cette génération. Il n'y a plus de modèle. Les parents ne veulent pas être modèles pour les enfants. Et comme les parents ne sont pas des modèles pour leurs enfants, eh bien les enfants aussi ne cherchent plus à être modèles de quelque chose. Tel père, tel fils, telle fille et telle mère. C'est ce que vous allez voir dans cette génération. Quand vous voyez une fille prostituée debout la nuit dans la rue, quand vous fouillez, sachez que très tôt, elle a commencé à voir sa mère sortir régulièrement la nuit pour aller elle ne sait où. Peuple de Dieu, ce monde est corrompu. Cette génération est corrompue. Et le Seigneur nous appelle
Nous qui portons son sceau, nous qui portons le sceau de l'alliance de Jésus-Christ, le Seigneur nous appelle à la prise de conscience. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Et le Seigneur appelle cette jeunesse à la repentance, à rechercher la justice, à rechercher la charité, à rechercher la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Toi, jeune qui m'écoutes, si tu veux marcher, si tu veux avoir de compagnie, tu dois chercher ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vous le dis en vérité, en vérité. Si tu cherches à avoir comme des amis, des gens qui aiment les choses du monde, ils vont t'attirer vers le monde et ils vont te plonger dans les choses mondaines. Si tu fais ami avec des gens qui aiment sortir tous les samedis pour aller dans les bois de nuit, pour aller dans les piscines, pour aller dans les concerts et autres. Si tu fais ami, toi chrétien, jeune chrétien, si tu fais ami avec ces gens, si tu fais ami sur Facebook ou bien sur TikTok, avec des gens dont tu ne verras rien de chrétien sur leur page, sur leur profil, mais tu ne verras que des choses de football, des choses de rappeur, des choses de pourquoi décalé, eh bien, ils vont te plonger. Ils vont corrompre ta vie chrétienne. Et tu vas devenir comme eux, ou soit faux chrétiens. Je vous dis aujourd'hui, on a beaucoup de faux chrétiens. C'est-à-dire des gens qui sont mondains et c'est seulement les dimanches qu'ils vont à l'église. Le fait d'aller à l'église ne fait pas de toi un disciple de Christ. Mais un disciple de Christ, c'est dans ta conduite, dans ta mode de vie. C'est ça qui va témoigner que tu as réellement Christ dans ta vie. Mais quand tu gardes la Bible, les dimanches pour aller à l'église, mais quand tu quittes l'église, tu retournes dans tes amitiés avec les païens et tu vis comme les païens. Il n'y a aucune différence entre vous. Alors, toi jeune, écoute-moi très bien. Répands-toi. Répands-toi des styles du monde. Répands-toi de la mondanité. Répands-toi des choses du monde et va chercher les choses de Dieu. Cherche à vivre comme un vrai disciple de Jésus-Christ. Mais toi, jeune, jeune incrédule et rebelle, qui va déchirer ce message, écoute bien ce que dit Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 9. Écoute bien. Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse. C'est Ecclésiaste qui parle. Jeune homme, toi, jeune homme, qui va déchirer ce message, qui va même m'insulter, te moquer de moi. Toi, jeune, incrédule, rebelle, écoute bien. Rejouis-toi dans ta jeunesse comme tu veux. Vis comme tu veux. Vis comme tu veux. Fais ta vie comme tu veux. Livre ton cœur à la joie. Pendant les jours de ta jeunesse, fais ce que tu veux. Fais de ta jeunesse ce que tu veux. Ecclésiaste 11:9. Fais de ta jeunesse ce que tu veux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Vis comme tu veux. Bois ce que tu veux boire. Mange ce que tu veux manger. Couche avec qui tu veux. Mais sache qu'il y a un mais. Et ce mais te dit de savoir que pour tout cela, tout ce que tu auras fait sur la terre,
Dieu t'appellera en jugement. Te rendra compte. Te rendra compte, toi jeune, rebelle, qui n'aime pas entendre parler des choses de Dieu. Tu t'en fous de Dieu. Tout ce qui est de Dieu, tu déchires. Tu te moques de Dieu. Pour toi, Dieu n'existe pas. Tu es né toi-même. C'est toi-même qui t'es créé. Ah, même un arbre debout a des racines. Mais toi, tu n'as aucune racine. Parce que tu penses que tu es né comme ça. Tu es apparu sur la terre. Sans aucun créateur. Vis comme tu veux. Mais sache que il y a quelque part qui t'attend là-bas, derrière le mur là-bas. Il y a un endroit qui t'attend, qu'on appelle enfer. Si tu déchires tous les avertissements de Dieu, sache que tu répondras. Je te dis. Mais toi, jeune chrétien, qui écoute ce message, sache aussi que le Seigneur Jésus-Christ te parle et t'appelle à la prise de conscience, à la repentance, et t'invite à sortir du monde et te préparer à sa rencontre. Car bientôt, la trompette va sonner et Jésus-Christ va venir pour chercher ceux qui marchent avec lui, ceux qui se sont confiés à lui. Bientôt, il vient pour nous chercher. Je veux te voir en ce jour monter parmi les saints, monter avec les anges de Dieu. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Alors Jésus te tend la main. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si tu m'entends, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es drogué, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es prostitué, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es délinquant, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es fumeur, il faut accepter Jésus-Christ. Si tu es buveur, il faut rechercher Jésus-Christ. Si tu es mondain, il faut accepter Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Si ce message a touché ton cœur et tu veux appeler pour accepter Jésus, pour confesser Jésus, pour t'engager avec Jésus, à marcher avec Jésus, avec nous. Tu peux prendre nos numéros qui s'affichent à l'écran, le 00 229 97 25 35 39. 00 229 97 25 35 39. Je vous le dis en vérité, ce monde passera. Et tout ce que vous voyez briller sous vos yeux dans ce monde, ce sont des vanités qui vont bientôt passer. Et vous pouvez même quitter cette terre et abandonner ces choses-là. Alors, quelle sera votre récompense si vous avez rejeté toutes les mains tendues de Dieu de votre vivant? Réfléchissez. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien. Shalom, shalom.